Écrire ou traduire. Marguerite Yourcenar a partagé sa vie entre ces deux activités. Mais comment a-t-elle pu se résoudre à laisser de côté son œuvre pour servir celle des autres? Mais est-ce que ça n'est pas un grand altruisme pour vous qui créez de passer des journées, des mois et probablement des années à traduire les autres? C'est la même chose. Comment c'est la même chose? Bien sûr, j'ai jamais fait de différence entre vous et moi. Expliquez-moi, je comprends pas. Eh bien, il y a une devise que très souvent employée par Zénon, une homme somme est multi in me. Je suis un, mais des multitudes sont en moi. Alors vraiment, que ce soit moi à quoi il arrive quelque chose, que ce soit quelqu'un d'autre, j'avoue que je ne vois pas beaucoup la différence. Qu'un homme ait écrit à de très beaux vers qui m'émeuvent sur la vie, la mort, l'amour, la politique, ou que ce soit moi qui les écris, franchement, je ne vois pas la différence. Nous avons exprimé quelque chose qui devait être exprimé, c'est tout.